C'est vraiment génial cette année de voir des Italiens, des Français, des Anglais partager notre vision de ce qu'est l'Europe. Il y avait aussi de grandes personnalités qui étaient très inspirantes. C'est très stimulant de pouvoir apprendre des nouvelles choses et d'avoir un regard un petit peu plus proche de l'Europe. J'aimerais bien qu'on essaie de trouver un consensus dans la société où on dit combattre le changement climatique, ce n'est pas un débat de gauche ni de droite, c'est un débat de toute la société. Comment est-ce qu'on arrive à adapter tous ces territoires dans le même temps, en protégeant, en organisant, en redistribuant? C'est ça la grande question. En tant que jeune, je pense que c'était vraiment important de parler du climat avec les personnes qui aujourd'hui font les politiques climatiques de l'Union européenne. C'est important de toujours en apprendre plus sur l'Europe, plus on en sait et plus on devient acteur aussi des décisions qui sont prises. Merci à vous, parce que c'est grâce à vous que cette année a été une année exceptionnelle. C'est grâce à vous tous qu'on va entamer et commencer la prochaine année, qui, on l'a entendu, va être celle des élections européennes.